Vendredi matin, il est 7h, mon week-end le plus excitant de l'année commence et ça commence par un voyage à Paris. Ok, donc je suis dans le train. Je devais partir hier soir, mais mon train a été annulé à cause de la grève, donc j'ai dû en prendre un autre ce matin. C'est blindé, donc je vais faire le voyage d'urgence. Je suis arrivée à Paris, j'attends un ami qui doit venir me récupérer. Je sais pas où aller. Là je suis à Saint-Lazare au Starbucks. Je prends une petite pause petit déj parce que j'ai un peu faim. Et après je vais aller rejoindre une autre copine pour passer la fin de matinée et aller déjeuner. Et je commencerai à vous parler un petit peu de ce que je fais ici. Je suis arrivée chez mon ami Mandy avec qui je vais passer la fin de matinée. Je ne suis pas toute seule. Coucou le bébé! Oh bah oui! Donc voilà, elle est juste sortie deux minutes, je vais chercher les clopes. Donc je vous disais que j'allais vous dire un petit peu pourquoi j'étais là. Je suis là pour voir un groupe dont je suis fan depuis que j'ai 11 ans. Donc ça fait 16 ans. Ce qui veut dire que j'ai passé plus de temps dans ma vie à être fan de ce groupe qu'à ne pas l'être. Et ça va pas vraiment aller en s'arrangeant. Donc je vous montrerai qui c'est tout à l'heure quand on arrivera à la salle. Et voilà, pour le moment on va se poser un petit peu. Après on ira déjeuner. Qui est excité? Ouh, pas Mandy. Mandy elle est textote. Oh pardon. Qui est excité? Qui est excité? Moi je suis très excitée. Qui est excité? Bientôt. D'accord. Moi je suis excitée. Non mais moi aussi pour le vrai. Non moi je suis plus excitée pour le mot que pour le concert parce que je pense que ça va être un moment privilégié. Et le concert j'ai peur qu'il me sorte la même cette escalon que j'ai trouvé un peu moyenne. Un peu moyenne. Il n'y a pas beaucoup de dernière. Une question existentielle de fait. Alors on a fini de manger, donc là je me dirige vers la salle avec Cindy, coucou Cindy. Donc j'ai laissé les autres, parce qu'on va pas tous à la salle en même temps et on va essayer de pas se faire écraser. Donc voilà, et je vais faire mes obligations de street team leader. Donc en gros, vous savez toujours pas de qui je parle, mais je suis chargée par le staff du groupe de gérer la promotion des fans en France. Donc on va... Bah là on va un peu promouvoir la street team en fait pour qu'il y ait des gens, des fans qui nous rejoignent. Alors, les filles, vous pouvez me dire qui on vient voir s'il vous plaît? Les Hanson. Voilà. Donc voilà, et il fait super froid. Et on est quand même bien acharné. Et donc là on attend juste de voir, il en manque un qui est pas rentré dans la salle, voir si on peut le choper. Voir si on peut le voir pour avoir une photo en tant que grosse groupie que nous sommes. Et il fait super froid et j'espère qu'il va se dépêcher parce que j'ai commencé à avoir les mains franchement gelées, les pieds aussi. Et après on va distribuer des bonnets de Père Noël que je me trimballe depuis ce matin pour faire une petite animation pendant le concert. Et voilà, et normalement d'ici deux heures, on sera dans la salle au chaud et tant mieux! Il y a le soundcheck! Never know. Search a project of the penis. I got the crew. Je suis une groupie, comme tu peux le constater. Et j'ai très beaucoup hâte de voir Taylor again. Hello! You guys are gonna make some noise!
girl, got a lot of love in store. And it flows through you, and it flows through me, and I love you so much more than my love. I can see beyond forever. Everything we are will never die. All the moments, the sun, the Juliet, you're my love, I know it's true. You're such a girl. C'était génial, comme d'habitude, mais un peu plus que certains autres. C'était mon 15e concert d'Hanson. Et non, je ne suis toujours pas lassée. Une très bonne ambiance. Ils avaient l'air d'être contents d'être là, donc c'est cool. Et donc là, il est 1h du matin et je ne suis pas encore couchée, mais je ne devrais pas tarder. Et demain matin, il faut que je parte à la gare vers 8h moins le quart. Donc je ne vais pas me lever très tard. Donc je vais pas beaucoup dormir, même si j'en aurais besoin. Et donc je vais me lever pour aller prendre un train pour Besançon, pour ensuite aller en Suisse. Il est 7h15 du matin, j'ai dormi un petit peu plus de 5h. C'est très 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 dur ce matin, j'ai des courbatures absolument partout. J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes, j'ai très mal aux épaules à cause des courbatures. Mais va falloir y aller dans une demi-heure pour la suite du trajet. On est arrivé en Suisse, nous sommes dans une grosse zone industrielle. On est arrivé exprès, on s'est pressé pour arriver pour 15h parce qu'ils organisaient une marche caritative. Et en fin de compte, c'est annulé parce qu'il fait froid. Alors je sais pas trop à quoi ils s'attendaient un 14 décembre en Suisse. Donc nous sommes en train de nous geler les miches dans un coin perdu en Suisse. Oh yeah.
above the gong. Il est 3h du matin, on vient d'arriver à Genève après le concert qui était génial et je suis très très fatiguée. Alors, il est dimanche, il est midi et demi, je suis à Genève. J'ai réussi à dormir 7 heures, c'était cool. Donc là, on a pris le petit-déj chez mon amie Laura, on s'est posé un petit peu. Et voilà, donc après, hier, le concert. Alors, on pourrait se dire qu'un deuxième concert, c'est quand même déjà super cool et j'étais très bien placée. Mais là, je vais vous parler en tant que fan. J'étais super bien placée, c'était très bien, puisque j'étais au deuxième rang et c'était comme si j'étais au premier, puisqu'on était au bord de la scène. Par contre, le son était très pourri, puisqu'en Suisse, c'est limité au niveau des décibels. Et en plus, on était juste devant les enceintes. Donc c'était moins bien que le concert de Paris, mais bon, c'était quand même cool d'être aussi proche de la scène. Et après, nous sommes allés en bonne groupie les attendre à la sortie pour prendre des photos, chose que je n'avais jamais eue en 16 ans et en 16 concerts. Donc je suis contente. Mais maintenant que j'ai eu mes photos, je pensais que ça allait me calmer et que j'étais arrivée au bout. Et en fait, non, j'ai juste envie d'avoir des photos mieux. Puisqu'entre celles où on voit que la moitié de ma tête, celles où il y en a un qui fait un sourire carré et celles où j'ai l'air d'une meuf trop, bien trop contente. Voilà, je suis vraiment contente d'avoir eu ces photos parce que je voulais depuis longtemps. Mais maintenant, je crois que ça ne me calme pas. Bref, donc là, je vais repartir bientôt pour Paris et ensuite pour chez moi à Poitiers. Dimanche soir, je suis de retour chez moi, je suis fatiguée mais heureuse. Et pour terminer, je dirais juste que voilà, il y a des gens qui comprennent pas forcément ce genre de passion, qui jugent aussi quand c'est des groupes qui ont une réputation, boys band, etc. C'est pas le cas pour eux, mais enfin, c'est pas le cas, ils sont pas eux un boys band, mais ça, peu de gens le comprennent. Mais peu importe, en fait, ce que je veux dire, c'est que en fait, je suis super heureuse d'avoir une passion comme ça et je dirais presque que je plains les gens qui ne connaissent pas ça, que ce soit avec un groupe ou une autre passion, parce qu'en fait on s'en fout de ce qui passionne les gens. L'important, c'est d'avoir quelque chose dans sa vie qui donne des émotions comme ça, qui permet de temps en temps oublier un petit peu les difficultés de la vie de tous les jours et voilà, de retourner un petit peu en enfance ou en adolescence et de lâcher prise. Et voilà, je suis heureuse d'avoir ça, et si jamais vous avez ça aussi, on s'en fout de ce que pensent les gens en fait, puisque voilà, ça fait des petits moments de bonheur et c'est ça qui compte au final. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je reviens la semaine prochaine avec le format normal de Junk on the Web et je vous fais des bisous.